bien breton. Mon nom d'artiste, c'est Calam. J'ai commencé par la calligraphie traditionnelle sur papier pour ensuite découvrir la calligraphie lumineuse à travers le procédé du light painting. Donc en fait, le procédé est très simple, c'est un procédé photographique. On se place dans l'obscurité et on déplace des lampes face à l'objectif, sans repère visuel et à l'envers, afin de construire des calligraphies lumineuses. Je suis Lassad Metui, je suis artiste plasticien calligraphe ou calligraphe plasticien. En tout cas, la calligraphie, c'est ma matière première en fait dans la création. Et ce soir, je vais réaliser une performance intitulée « Les trois pinceaux ». Les trois pinceaux, tout simplement, c'est en forme de correspondance entre une œuvre qui existe ici dans la collection permanente. Cette œuvre-là, c'est une tapis qui date vers le 15e siècle. Et en fait, quand j'imagine le tapis, j'imagine les fils qui dégagent la sensation des éléments. D'où les mots qui me revenaient sur l'esprit, multitude de choses, multitude de pensées, multitude d'éléments et multitude de couleurs. C'est-à-dire que je travaille sur du papier Kozo, c'est du papier aussi, elle est fabriquée à partir des fibres naturelles et qu'on appelle, c'est un papier en fait sacré dans la culture japonaise et coréenne. Et elle-même, elle est fabriquée de multitude de éléments, c'est-à-dire à partir de corse, de l'arbre de Kozo, il est fabriqué avec une démarche complètement poétique et philosophique. Et en fait, c'est fabriqué par des maîtres, c'est-à-dire avoir beaucoup de connaissances pour le faire. Et en même temps, l'encre que j'utilise, c'est de l'encre japonaise aussi, qui vient du Japon. C'est une encre extra fine et très poétique.